Bonjour, bien-aimés frères et sœurs en Christ et chers amis internautes. Ce soir, nous avons préparé un programme très spécial pour vous. En effet, le 4 avril 2009, à Newark, New Jersey, nous avons un grand programme. En effet, c'est un programme de réveil spirituel que nous allons avoir. Et le thème de ce programme, c'est « Échange tes angoisses contre la paix de Dieu ». Alors, je voudrais lancer un appel à tous ceux qui sont fidèles à nos émissions de répondre massivement à cette rencontre qui aura lieu à Newark, New Jersey. Certainement, ce sera un temps de grande bénédiction pour chacun de vous. Et l'heure, c'est 4 p.m. 4 p.m. through 8 p.m. C'est-à-dire 4h30 à 20h. Alors, je voudrais plus ou moins vous proposer un avant-goût de ce que nous allons écouter et ce que nous allons vivre ce jour-là. Juste pour vous mettre de l'eau à la bouche, pour que chacun de vous soit, n'est-ce pas, motivé pour y être. Amen. D'abord, certaines personnes se disent, mais qui il est ce monsieur? Alors, permettez-moi de me présenter. Mon nom de famille, c'est Kwaku. Mon prénom, c'est Didier Abokan. Sinon, deux noms, vous le savez. Et en effet, j'ai fait mes débuts dans le ministère, dans une église très connue en Côte d'Ivoire, qui est dénommée l'Alliance, la CMA. Alliance chrétienne et missionnaire. Alors, c'est là que j'ai grandi dans la foi. Toute ma formation chrétienne a été à l'Alliance, à la CMA. Et j'ai servi le Seigneur à plein temps là, comme évangéliste, pendant des années. Et quelques années après, j'ai été recommandé en Suisse pour poursuivre mes études théologiques, là où j'ai fait 4 ans d'études théologiques et aussi une spécialisation en ministère pastoral. Et j'ai eu aussi le privilège de diriger une église en Suisse, une église libre, pendant des années. Ensuite, Dieu m'a appelé ici aux États-Unis. La première fois que j'atterrissais ici, c'était en Floride, où j'avais été invité juste pour donner quelques cours dans un institut biblique. Alors, là aussi en Floride, j'ai fait une spécialisation en church planting, on dirait en français implantation d'église, avec le New Orleans Baptist Seminary. Donc, voici plus ou moins mon petit parcours jusqu'ici. Il est assez modeste, mais mon slogan, c'est prêche la parole et rien que la parole. Je suis un passionné de la parole de Dieu, parce que je crois que seulement la parole de Dieu peut nous faire sortir de nos situations. Seulement la parole de Dieu peut nous emmener à connaître pleinement Dieu. Je vous invite à être des passionnés de la parole de Dieu. Et c'est ce qui me représente. C'est d'ailleurs tout ce que je suis en train de faire pour vous servir, pour que vous puissiez recevoir le mieux en matière d'enseignement et de prédication. Pourquoi est-ce que je suis ici à New Jersey? Ça, c'est une question aussi très intéressante. Eh bien, je suis ici à New Jersey parce que j'ai été plus ou moins co-circuité par Dieu. On était en transit lorsque le Seigneur plus ou moins nous a imposé sa volonté qu'on soit dans ce metro state comme témoin de sa gloire, témoin de sa parole. Il est vrai que chaque fois où le Seigneur nous a envoyé en mission, il a toujours opéré un réveil spirituel dans ces villes, que ce soit en Europe où nous sommes passés, en Côte d'Ivoire, en Afrique, et même ici aux États-Unis, en Floride où on était. Et nous avons vraiment prié, mon épouse et moi, pour comprendre quelle était la pensée de Dieu. Et le Seigneur nous a dit qu'il y a vraiment un grand besoin dans ce metro state et qu'un réveil arrive surtout dans cette communauté francophone. Eh bien, il faut constater qu'un réveil est déjà présent, surtout en Amérique du Sud, au Brésil, Guatemala et tous les autres pays qu'il y a. Ils vivent un réveil très fort et très puissant où les âmes viennent se donner au Seigneur chaque jour que Dieu fait. Et même ici aux États-Unis, il y a vraiment un réveil qui arrive petit à petit. Alors en Afrique anglophone, il y a de grandes choses qui se passent au Kenya, en Ouganda, il y a de grandes choses qui se passent. Et tout ça, ce sont des signes de Dieu
pour annoncer l'avènement de Jésus-Christ qui n'est pas vraiment loin. Mais qu'en est-il de la communauté francophone? Pourquoi nous, francophones, c'est comme nous sommes un peu laissés pour contre? Eh bien, je veux reprendre la pensée de l'un de mes professeurs qui dit que Dieu ne se manifeste pas puissamment dans le milieu des francophones parce que nous avons hérité la pensée grecque, l'éducation grecque, la philosophie grecque. Eh bien, cette philosophie qui nous pousse chaque fois à être cartésiens, à être beaucoup intellectuels, à être sceptiques face aux choses de Dieu. Et je pense que le temps arrive où Dieu va briser cette pensée hellénicienne, cette pensée grecque. Dieu va la briser et ouvrir nos cœurs à ce qu'il est en train de faire, à son pouvoir, à sa puissance. Parce que Dieu veut faire de grandes choses. En effet, un réveil spirituel est en train de s'installer dans notre milieu francophone. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans ce Metro State pour être des témoins de cette gloire que Dieu veut reprendre. Et pour situer cela dans ce cadre, c'est pourquoi nous faisons ces nuits de promesses. L'objectif de ces nuits de promesses, c'est pour prêcher la parole de Dieu dans toute sa plénitude et dans toute sa puissance. Parce que les promesses de Dieu sont encore vraies. Je ne suis pas cessationniste. En parlant de cessationnistes, je parle de ceux qui croient que les miracles ont cessé. Mais non, Dieu ne change pas. N'est-il pas dit dans Hébreux qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement? Dieu est le même et il ne change pas. Alors, je vous invite à venir massivement à ce programme que nous avons ce vendredi, ce samedi plutôt, 4 avril 2009. À Newark, New Jersey. Vous pourrez voir sur le website toutes les informations qu'il y a, des numéros de téléphone, vous pouvez appeler. Venez nombreux, vous qui êtes dans tous les états, que ce soit au Texas et autres, venez, le Seigneur vous fera du bien. Je vous propose un avant-goût de ce que nous allons vivre. Alléluia. Si vous pouvez ouvrir vos Bibles dans Luc, le chapitre 8, à partir du verset 43, jusqu'au 47. Et le thème de cette petite exhortation que je m'en vais vous donner est intitulé « L'audace de la foi ». Voici ce que Dieu fait pendant une période de réveil spirituel. Tous ceux qui veulent placer leur confiance en Dieu, il y a toujours une visitation spéciale de Dieu. Toi qui m'écoutes, si tu veux placer ta confiance en Dieu, même si tu ne peux pas être présent ici à Newark, ce samedi 4. Mais là où tu es, tu peux faire confiance à Dieu maintenant même. C'est le récit de cette femme qui souffrait de la perte de sang pendant 12 années. Qui est cette femme? Cette femme est d'origine juive et elle a vécu probablement pendant le 1er siècle. Et cette scène qui se déroule, comme on le dit, dans un contexte très intéressant. C'est en Galilée. Et aussi, Jésus est de passage à Capernaüm. Et même, il sort même de Capernaüm. Et cette femme qui, dans le texte qui nous explique cela, en effet, Jésus est sur le chemin pour guérir le fils de Jaïrus. Ce qui se passe, c'est qu'il sera interjecté par cette femme. Sinon, la foi de cette femme va interjecter Jésus dans son élan. Et dans son amour, il fera grâce à cette femme. C'est vraiment intéressant. Je vous propose une étude détaillée de ce qui s'est passé. C'est une femme. La Bible ne nous donne pas l'origine ou bien l'âge de cette femme. Mais le terme grec, gunei, est utilisé pour les femmes, les épouses. Donc, pas pour les personnes âgées, mais une femme qui était certainement mariée. Et qu'est-ce qu'elle avait comme problème? Voici l'élément clé qu'il faut retenir.
Cette femme était désespérée. Pourquoi? Parce qu'elle a souffert pendant 12 années. Pourquoi 12? 12 parce que c'est le chiffre de la totalité dans la pensée hébraïque. 6, c'est le chiffre de l'homme. Mais 2 fois 6, dans le contexte humain, c'est porter 2 fois la souffrance. Et cette souffrance est projetée sur sa totalité, 12 années. Et on dit qu'elle souffrait d'une perte de sang. À cela, deux propositions très intéressantes s'ouvrent à nous. La première, c'est que cette femme, elle souffrirait d'une condition anormale. Possibilité de fibrome ou cancer d'utérus qui entraîne une hémorragie chronique. Ou bien, la seconde option, ce serait que cette femme soit peut-être atteinte d'anémie et qu'elle ait perdu le sang et qu'elle continue de perdre le sang chaque jour que Dieu fait, au point où physiquement elle en était fatiguée, affaiblie. Quelle souffrance! Et cette femme, qu'est-ce qu'elle a fait pour sortir de cette situation catastrophique? Elle a été consultée des médecins. Elle était sous traitement médical. Et il est écrit au verset 26 qu'elle a même dépensé tout son argent dans les traitements médicaux. Elle a consulté certainement des généralistes et après des spécialistes. Vous savez combien ça coûte? Toute sa fortune est partie là-dedans. Mais pas de guérison, pas de délivrance. Désespérée cette femme de constater en effet que son mal est incurable, elle ne pouvait que retourner chez elle. Et sa situation devenait de plus en plus dégradante, de plus en plus pire. Cette femme était désespérée parce qu'elle avait tout perdu. Mais il est intéressant de noter aussi ce que cette femme gagne comme expérience. Pourquoi veut-elle s'approcher de Jésus? Eh bien, parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu dire que Jésus est celui qui libérait les démoniaques. Elle se rappelle ou a peut-être été témoin de la scène avec le possédé de Gadara dans Marc 5, 21-25. Elle a certainement entendu parler de Jaïrus, cet homme qui est venu supplier Jésus pour qu'il aille guérir son fils. Et la raison pour laquelle elle a coupé le chemin en disant, je veux aussi prendre ma part de bénédiction. Elle a aussi entendu crier la foule qui certainement s'écriait, Jésus, Jésus, fils de Dieu, celui qui opère les signes et les prodiges. Et tous ces éléments ont motivé sa foi. Parce qu'elle a aussi su que des personnes ont été guéries en Galilée. Des gens qui l'ont touchée ont été guéris. Alors elle s'est dit, si seulement je pouvais toucher même son vêtement, je serais aussi guéri. L'audace de la foi. Mais l'audacité de cette foi est tellement visible dans la suite de tout ce qui va se passer. Parce que la femme était cérémonialement, elle était impure. Pourquoi? Elle brise un tabou. Parce qu'en tant que femme impure, selon la loi, comme le dit le livre de Lévitique 15, 19 à 30, socialement, cette femme était isolée. Un peu comme la lèpre. Quand quelqu'un souffre de la lèpre, en effet, il est mis de côté. Il n'a pas droit à la communauté, il n'a pas droit à s'exprimer de peur qu'il contamine les autres par sa lèpre ou par sa maladie. Cette femme était impure. Et c'est très profond dans le texte de Lévitique. Tout ce qu'elle touchait à cause des écoulements de sang qu'elle avait devenait impur. Même son lit, si elle touche le lit, le lit devient automatiquement impur. Elle n'avait même pas le droit d'avoir des relations avec son mari, c'est des relations intimes, parce que lui aussi deviendrait impur. Donc certainement,
son mari, si elle était mariée, peut-être ne pouvant plus supporter cela, a dû partir. Alors, la femme était dans une condition très désespérée. Émotionnellement, elle souffrait. Physiquement, elle était malade. Psychologiquement, elle en était déstabilisée. Et le pire, c'est que sa maladie s'aggravait de jour en jour. Elle était aussi bannie de la synagogue à cause des pertes de sang qu'elle avait. Tout ceci parce qu'elle était impure. Et une femme aussi ne peut pas toucher un homme en public. Mais cette femme va écarter tous ses tabous, toutes ses lois, toutes ses réglementations. Elle va les balayer du revers de la main. Parce que ce qu'elle voyait, c'était sa guérison. Elle s'attendait à lui pour sa guérison. Mon frère, ma soeur, toi qui souffres aujourd'hui d'une condition incurable peut-être, de toutes sortes de situations, toutes sortes de maladies qu'on peut même nommer, Jésus est là pour toi. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu sois audacieux et audacieuse et que tu viennes jusqu'à lui. Et c'est ce qu'il attend de toi. Comme cette femme qui a été audacieuse et qui est venue jusqu'à lui. Elle a bravé tous les obstacles. Et l'obstacle le plus important, c'est la foule ici. Il y avait une foule très, très, très importante. Et le terme grec, polis, veut dire une grande foule, une large foule. Et il pressait Jésus. C'était une foule qui pouvait même l'écraser. Mais cette femme va braver cette muraille d'obstacles parce qu'elle avait en tête ce Messie pouvait m'apporter ma guérison. Et par la foi de cette femme, avec sa foi, elle avance, certainement en rampant, pour toucher le bord du vêtement de Jésus. Parce qu'elle savait que le bord du vêtement d'un rabbi, d'un maître en Israël, est là où réside l'autorité. Elle touche le bon endroit et la guérison arrive. Bien-aimé, ce que je voudrais vous dire, c'est que cette femme a été guérie à cause de cette audace de sa foi. Dieu peut aujourd'hui te guérir. Il peut te faire sortir de toutes ces conditions si seulement tu crois en lui. Dernier élément très important, pourquoi cette femme a été vers Jésus? Parce qu'elle a cru en lui. Jésus n'est pas un magicien. Jésus fait des miracles, mais pas de la magie. Toute personne qui croira en lui sera sauvée. La guérison, c'est lui qui la offre, selon sa volonté. Mais comme nous allons le traiter dans ce programme qui arrive, Dieu opère chaque fois la guérison et la délivrance pour glorifier son nom. Mon frère, ma soeur, alors qu'on réalisait cette émission, j'ai senti une onction me traverser par rapport à toutes ces personnes qui ont des conditions, des maladies rattachées au sang. Le Seigneur veut te visiter maintenant. Que tu souffres de l'anémie, que tu souffres même du sida, le Seigneur a mesure de te libérer maintenant. Si seulement tu veux croire qu'il est le Fils de Dieu, si seulement tu veux tomber devant lui et lui donner ta vie, maintenant même, sa puissance, cette puissance qui est sortie de lui, qui a touché cette femme, qui a souffert pendant 12 ans, cette puissance est en train de sortir de lui maintenant. Et t'atteins là où tu es. Crois seulement, reçois cette puissance maintenant et sois libéré de ton mal. Sois guéri de ta maladie maintenant même. Eh bien, c'était juste un avant-goût de ce qui va se passer ce samedi. Nous vous invitons, là où vous êtes, quelle que soit votre condition, venez, parce que Dieu veut vous apporter une guérison, et une guérison parfaite. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu envoies un vent de réveil. Certaines personnes diront, c'est peut-être le même message que nous avons entendu depuis longtemps.
mais soit derrière ses propos pour confirmer de grandes choses. Toutes ces personnes qui n'auront pas la possibilité d'y être, c'est-à-dire d'être à New York, d'être ici aux États-Unis, et qui s'attendent à toi maintenant même, qu'ils prennent leur part, que ces personnes prennent leur part de guérison maintenant. Au nom de Jésus, qu'elles reçoivent leur part. Toute maladie attachée à leur sang, maintenant soit libérée au nom de Jésus. Que ton pouvoir éternel sorte, les visite et les libère maintenant même. Seigneur, partout, toute personne qui écoutera cette vidéo, qu'il ait des conditions cardiaques, problèmes de sang, de nerfs, tu les visites maintenant et tu les libères au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons compter sur toi. Merci parce que tu opères maintenant. Tu opères maintenant, tu opères maintenant. Au nom de Jésus. Bien-aimé, merci de nous avoir suivis. Et nous vous attendons. Venez massivement, venez massivement. Vous ne serez point déçus. Parce que si vous attendez à un homme, vous serez déçus. Mais si vous attendez à lui, comme cette femme a bravé tous les obstacles pour arriver à lui, ainsi vous prendrez votre part. Nous faisons toujours cette annonce pour cette nuit de promesse que nous avons, qui aura lieu à Newark, New Jersey. L'adresse, c'est dans un building qui est très connu à Newark, Gold Miracle Building. Ça se trouve au 484 Central Avenue, New Jersey. C'est un bâtiment qu'on ne manque pratiquement pas. Vous verrez, c'est inscrit Gold Miracle Building. Alors, l'heure, c'est 4h30 à 8h30, c'est-à-dire 4:30 p.m. à 8 p.m. Les numéros de téléphone que nous vous donnons sont le 973-420-94-67 ou encore le 973-420-94-57. Venez nombreux et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.